Eh bien, salut les amis, c'est Oxy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel épisode de MCE. Je sais, il n'y a pas eu d'épisode pendant un petit moment, mais là avec les fêtes, ça a été vraiment compliqué. Et en plus, mon déménagement arrive à l'heure actuelle. Quand cet épisode sortira, je déménagerai dans pile une semaine. Donc du coup, je dois vous avouer que c'est plutôt tendu en ce moment. On va reprendre les épisodes et toutes les vidéos en fait à fond d'ici fin janvier à peu près. Donc ça va être compliqué pendant encore à peu près 2-3 semaines. Et après, je serai enfin de retour. En tout cas, avant que cet épisode commence, je vous invite comme d'habitude à faire péter cette barre de like, à commenter et à partager la vidéo. Et bien entendu, vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. En tout cas les amis, bienvenue sur MCE. Ça me fait super plaisir de vous retrouver. Et là, vous pouvez voir que je suis en train de faire charger mon armure. Oui, parce qu'on va en avoir besoin. Bon bah il fait nuit, mon panneau solaire est pas très efficace, hein, on va dire. Donc je vais sortir de là. Et aujourd'hui, dans cet épisode, mesdames et messieurs, on va... Eh ben c'est flippant ça comme bruit. Allez, on va faire un petit dodo. Donc dans cet épisode, ce qui est prévu, c'est déjà de faire la première amélioration de notre armure. Donc je vais vous montrer un petit peu, donc la Power Armor. Alors déjà, Power Armor, surtout, j'ai équipé des basiques batteries. Pour l'instant, je peux pas faire mieux parce qu'après, les Advanced batteries me demandent des trucs de fou. Alors je vous raconte pas les Elite batteries ou les Ultimate batteries. Donc ça, malheureusement, on va devoir s'en passer pour le moment. En attendant de continuer d'évoluer. C'est pareil, ça serait super intéressant que j'arrive à me faire un kinetic generator, ce qui me permettrait de générer de l'électricité quand je me déplace. Malheureusement, il me faut 6 servomoteurs et j'ai pas assez pour en faire 6. Mais en tout cas, on va commencer, mesdames et messieurs, cet épisode par crafter 4 servomoteurs pour avoir le sprint assist qui me permet du coup de courir 2 fois plus vite que la normale. Donc ça serait vraiment ultra stylé. Donc pour ça, il me faut 4 servomoteurs. Et 4 servomoteurs, eh bien, ça va être plutôt simple à crafter maintenant, étant donné que j'ai continué d'avancer de mon côté. Donc, vous allez voir, en fait, ce qui nous manquait concrètement, c'était du brass ingot. Du brass ingot, on n'en avait pas et c'était compliqué à faire, mais j'ai trouvé la solution pour en faire grâce au tungsten dust et au pyrethéum dust. Donc, je suis allé faire pas mal de choses. Entre-temps, j'ai fait un petit peu de hors-caméra. Vous allez pouvoir voir, voilà, ça, c'est mon deuxième coffre de minerai. D'ailleurs, j'ai réussi à avoir du supranium. Et là, le coffre principal de minerai, je me suis blindé, donc je me suis fait le nether. Je suis allé dans l'end, donc j'ai combattu l'Under Dragon et je l'ai tué, donc ce qui m'a permis d'avoir justement la Supranium Essence. Et en plus de ça, mesdames et messieurs, c'est vrai que j'ai eu des nouveaux objets, j'ai complètement oublié, j'ai eu un Infinity Booster Card. A priori, ça pourrait me permettre d'avoir de l'électricité à l'infini, va falloir que je me renseigne sur ce truc. Ensuite, j'ai eu un Epic Shader Grabab, ça non plus, je ne sais pas à quoi ça sert. J'ai eu des Dragon Squall, donc Dragon Squall qui me permet de faire un Dragon Egg Crux, que je ne sais pas à quoi ça sert. Et j'ai eu, mesdames et messieurs, des Elytra. Donc ça c'est vraiment cool, même si on n'a pas trop l'utilité à l'heure actuelle, c'est quand même sympa d'en avoir eu. Hop, le... Oh, le name tag. On va pouvoir, les amis, renommer mon dragon, du coup. Ça, c'est une très bonne nouvelle. D'ailleurs, vous avez été beaucoup à me dire que mon dragon n'était pas un mâle, mais une femelle. Alors, je sais pas comment vous avez pu remarquer ça, puisque je n'en ai aucune idée. En tout cas, j'ai pensé à un petit nom pour notre petit dragon, et on va l'appeler Lily. Lily, je trouvais ça vraiment sympathique, tout mignon. Hop, Lily. Ça, c'est parti. Et bah, tu sais quoi, je vais invoquer Lily, et on va tout de suite lui mettre son name tag. Alors, par contre, il faut que j'aille dans une zone un petit peu plus dégagé parce que sinon ça va être compliqué. Hop. Donc les amis, on va appeler Lily tout de suite. Oh là, oh ça m'a... Ah non, ça l'a pas invoqué. Lily, oh, what the fuck. Lily. Ah, Lily, te voilà. Alors du coup, je vais t'appliquer un petit name tag, ma grande. Peut-être. Ah yes, c'est bon, elle s'appelle Lily. C'est Lily la dragon. Et bien voilà. Alors par contre, j'aimerais bien voir son nouveau petit nom. Aïe, oh yes, regardez, on le voit ici. Lily. Elle s'appelle Lily. Et bah c'est nickel, le dragon Lily. Bon, je vais te rappeler, hein, parce que pour l'instant, j'ai pas besoin de toi. Bon, ensuite du coup les amis, on va pouvoir faire ce fameux minerai de brass. Hein, je vous propose qu'on crafte ça tout de suite. Alors je crois que ça se crafte tout simplement comme ça. Voilà, et du coup ça me donne du tungsten ingot. Donc ça c'est parfait, le tungsten pour ceux qui se demandent, ça se trouve dans le nether. Donc je vais aller chercher ça là-bas, hop là, et voilà. Nous avons 4 lingots de tungsten, et pour chaque servomoteur, il m'en faut un. Donc on a tout pile ce dont on a besoin. Ensuite, du coup, il va falloir que je le fasse transformer en brass. Donc pour le transformer en brass, il va me falloir tout simplement du zinc. Et pour crafter du zinc, eh bien écoutez, ça va être très simple. Il va me falloir de la sulfurite que je vais mettre tout simplement dans mon pulvériseur. Et ça va me donner de la sulfurite dust et du zinc. Donc de la sulfurite, normalement j'en ai dans mes coffres puisque je suis allé en chercher aussi. Alors sulfurite, sulfurite
Il faut un bloc qui ressemble à un bloc du Nether. Donc du coup, ma sacférite se trouve juste ici. En fait, je viens de me rappeler que quand je la minais, ça me la transformait en poudre. Et donc du coup, j'avais crafté au préalable une machine là, industrielle électrolyseur. Donc ça, on va pouvoir s'en servir pour transformer en quelque sorte notre poudre en zinc. Bon, par contre, je commence déjà à manquer de place ici. Là, vous pouvez voir que j'ai rajouté aussi une nouvelle machine qui me servira plus tard. Du coup, où est-ce que je vais mettre cette nouvelle petite machine? Eh bien, écoutez, les amis, je pense qu'on va commencer à utiliser le deuxième étage de la maison. Hop là, on va monter ici. Je viens de... j'avais complètement oublié, mais il nous fallait un industrial électrolyseur pour crafter les servomoteurs. Et en fait, j'en avais déjà fait un. Et j'avais déjà mis de la sulfurite qui m'a fait du sulfure et du zinc. Donc du coup, on a déjà le zinc nécessaire au craft de notre fameux brass. Donc maintenant, le brass, pour le crafter, eh bien, on n'a plus qu'à l'assembler avec du pulvérisé de copper dans un induction smelter. Donc il va me falloir de la poudre de copper, donc on va faire ça tout de suite, et le induction smelter, je l'ai déjà crafté au préalable. Donc du copper, là j'en ai 1, et là j'en ai 16, donc ce qui m'en fait 17, et du brass, il m'en faut 2, 4, il m'en faut 8. Ok, très bien, donc on va utiliser le pulvériseur, et on va faire normalement 2, puisque un copper devrait me donner 4 poudres normalement, ou peut-être 2 poudres ça va me donner, et dans ce cas-là il m'en faudra 4. Ah bah non, bon bah très bien. Du coup, on va faire cette poudre. Ok, pendant que ça se fait, on va pouvoir commencer à crafter les Advanced Electronic Circuits, qui eux sont vachement simples à crafter, il nous fallait juste ceci avant toute chose. Donc les Electronical Circuits. Alors les amis, du coup, je vais recrafter des wearing qui vont me servir, là j'en ai 39. Donc maintenant, on va pouvoir faire ceci tout simplement. Ah oui, il me faut du steel ingot. Donc steel ingot, est-ce que j'en ai encore en rab ou est-ce qu'il faut que j'en recrafte? Donc on va refaire un petit peu de steel ingot, ça va être vraiment très rapide. Voilà. Tac et tac. Ok, donc j'en ai crafté au maximum, j'en ai 21, ce qui devrait être largement suffisant. Ici, j'ai remis du fer à cuire pour pouvoir faire du fer raffiné. Ensuite, du coup, je vais mettre mon steel ingot là-dedans. Hop là, 9 de chaque côté, comme ça, ça va aller très très vite. Donc les amis, il va me falloir un petit peu plus de rubber que ce que j'avais prévu. J'en ai plus assez, en fait. Donc, je vais récupérer... Ah, mince! Je dis mince parce que j'ai cassé mon outil sans faire exprès. Hop là, tac, on va reprendre ça. Ici, on va fermer et on va y retourner. Ok, du coup, les gars, on commence à voir le bout un petit peu de... tout ce dont j'ai besoin, on va pas se le cacher, mais là on avance très très bien. Donc le rubber est en train de cuire, donc ce qui va me permettre de refaire des copper cable tout simplement, puisque on va en avoir besoin d'un petit peu. Mon copper, je l'ai sur moi, je crois que j'en ai un petit peu plus dans mes coffres. Oui, donc le rubber est en train de cuire, le steel ingot est crafté, donc on va pouvoir avancer et passer à l'étape suivante. Maintenant que toutes les matières premières sont prêtes, on va pouvoir crafter du coup ceci, et on a dit qu'il m'en fallait 4. Donc, on va faire 1, 3, 4, voilà, 2, 3, 4, très bien. Ensuite, le tungstène et du coup, le steel ingot, donc ici et ici, et ce qui va me permettre d'avoir 4 solénoïdes. Voilà, c'est bon. Maintenant que j'ai mes 4 solénoïdes, on a déjà fini une des premières épreuves. Donc là, il me faudra 4 steel ingots par truc, donc il m'en faudrait 16, et j'en ai pas assez, une fois de plus. Donc on va reprendre du charbon, et je vais remettre un petit peu de steel ingot à cuire, en attendant qu'on fasse le reste, ça ne va pas nous déranger. Hop là, voilà, nickel. Ici, le rubber, j'en ai déjà pas mal, donc ça c'est nickel. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre mes câbles de base. Voilà, ceux-là, très bien. Et on va leur mettre du rubber. Alors, je crois que le craft est comme ça. Non, du tout. J'en ai aucune idée, à vrai dire. Non, en fait, c'est du copper avec du rubber. Donc, on va crafter un maximum de copper cable. On n'a pas le choix. Donc, je peux en faire 4. Donc, on va faire 4. Voilà, très bien. Et donc, du coup, ça m'en fait 26. Donc là, si je suis pas tranquille avec ça, je ne comprends pas. Donc, maintenant, on va faire ça. Et là, il m'en faut 8. Donc, 8, j'espère que j'ai assez. Et non, j'ai pas assez du tout. Donc, on va refaire des petits câbles. Donc, on va remettre... Ah non, c'est du raffiné d'iron. Et là, et voilà. Donc, on a déjà 4 electronical circuits. Et maintenant, bah, je vais refaire ces espèces de petits câbles. Hop. Et je vais pas avoir assez de rubber. Il m'en faut d'autres. J'en ai 15. Zébervé. Alors, pour ce qui est du steel ingot, c'est bon, c'est prêt. Maintenant, j'en ai 24. Donc ça, c'est très, très cool. Ok, re les amis, écoutez, c'est bon. On a enfin nos 8 électroniques circuits. Ça, c'est fait, enfin. J'ai cru qu'on n'y arriverait jamais. En tout cas, maintenant, il y a plein de ressources dont je vais pouvoir me débarrasser, puisque bah, là, j'en ai clairement plus besoin. Je vais ranger mon silver, mon copper, ma redstone, j'en ai plus besoin. Le raffiné d'iron, j'en ai plus besoin non plus.
Le zinc, ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas crafté le brass. Donc, pour le crafter, il faut que je mette dans un induction smelter du zinc avec du copper. Donc, finalement, il va me falloir du copper, voilà. Et du coup, le copper, on va en repulvériser. Hop là. Ah ben non, c'est bon, je l'avais déjà fait au préalable. Et ben, c'est nickel. Donc, maintenant, normalement, je mets le copper... puis le zinc, 8 et 8, normalement ça devrait le faire, ça va me faire mon brass ingot. On va regarder, mais normalement, ça devrait être fonctionnel. Attention. Yes, 4 brass ingot déjà. Eh ben nickel. Eh ben nickel, bon bah ça c'est parfait. Ok, très bien, donc le rubber, je vais le poser ici, j'en ai plus besoin. Et du coup, le zinc et la sulfurite, je vais plus en avoir besoin non plus. Ok, maintenant, du coup, les câbles, c'est pareil, les câbles, j'en ai plus besoin, c'est parfait. Donc maintenant, pour crafter les Advanced Electronic Circuit, il me faut Redstone, Glowstone et la pile azul. Et bah très bien. Alors du coup, bah, je vais reprendre ma Redstone que j'ai déposée. Ok, ensuite du lapis-lazuli et de la glowstone que j'ai déjà mis en disant lapis-lazuli. Ok, très bien. Maintenant, on va pouvoir, du coup, crafter l'objet dont on a besoin. Hop là, ceci est normalement... Ok, c'est bon, ça va se crafter. Donc, on va mettre la pile azuli ici, redstone, hop là, ici et ici, parfait. Et ensuite, la glowstone. Et maintenant, nous avons nos 4 Advanced Electronic Circuit. Bon, bah ça, c'est nickel et au moins, c'est fait. Parce que franchement, ça a pris plus de temps que ce que je pensais de crafter tout ça. En tout cas, normalement, bah, il ne manque plus que le brass qui doit être là-dedans. J'en ai 8 et il m'en faut 2, 4, 6, 8. Et bah c'est parfait. Normalement, du coup, on peut crafter tout ce dont on a besoin. Donc, là, il m'en faut 4. 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 Voilà. Ensuite, le brass, il m'en faut 4 ici et 4 là. Ici, il m'en faut 4 et 4. Parfait. Ainsi que les solénoïdes. Et nous avons nos 4 cerveaux moteurs. Incroyable! On y est arrivé, mesdames et messieurs. J'ai cru qu'on n'y arriverait jamais. Hein, franchement, c'était pas facile. On va pas se le cacher, c'était compliqué. Mais on a réussi. Et donc maintenant, si je vais sur ma Power Armor Legging, que je clique sur Sprint Assist, et que je clique tout simplement sur Install, maintenant, nous avons le Sprint Assist qui est activé. Alors maintenant, je vais pouvoir régler tout simplement la vitesse à laquelle je vais pouvoir courir. Mais plus je vais mettre de vitesse et plus je vais consommer d'électricité. C'est pour ça que ça sera intéressant par la suite de pouvoir changer nos batteries. En tout cas, par exemple, on va augmenter la Spring Assist. Voilà, on va la mettre à la moitié. Voilà, on va mettre la Spring Assist à la moitié. Et oh là là, les gars, c'est... Ah, il fait déjà mieux. Bon, je vais aller faire un petit dodo. Hop là. Petit dodo. Et tu sais quoi, on va tester là à la moitié et après... On va tester au maximum. Mais normalement, là, c'est assez insane ce qui va se passer. Puisque, oh là là, les gars, je cours si vite! Et en plus, là, j'ai mon jetpack de équipé. C'est incroyable. Ah, c'est incroyable! Ah, c'est génial! Ah, et puis même quand je vole. Ah, c'est trop bien! Vous avez vu jusqu'où on est allé, là, en si peu de temps? Et même quand je vole, du coup, ma vitesse est augmentée. Et on a l'impression que je fais des sauts de ouf. Alors qu'en fait, pas du tout, c'est mon jetpack. Ah, c'est insane! C'est insane. Bon, par contre, on peut voir l'électricité qui se vide quand même petit à petit, mais moins rapidement que ce que j'aurais pensé. Donc maintenant, on va monter au maximum la vitesse. Oh, j'espère que vous êtes prêts, là, ça va être incroyable. Wouh ! Oh les gars ! On va si vite ! On va si vite ! J'ai même plus besoin de... Oh, je peux voler en permanence parce que du coup, je vole si vite. Oh, c'est incroyable ! C'est génial ! Oh yes ! Bon, bah là, maintenant, on est trop trop bien. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Mais c'est incroyable ! D'avoir monté cette armure là comme ça. Oh yeah. Oh comment c'est trop bien, je suis trop content. Ok les amis, écoutez, je me suis rechargé au maximum. J'ai récupéré tout ce dont j'avais besoin en électricité. Et juste avant de partir à l'aventure, j'ai envie qu'on utilise le questbook. Parce que normalement, j'ai eu plein de bonus que je n'ai pas encore récupéré. Par exemple, là, j'ai encore des rewards. Molten Demon Metal Bucket. Je sais pas c'est quoi, mais on va récupérer. 32 Soulsen, ça m'a donné 50 pièces et un cassoulet. Eh bah écoute, on va prendre un cassoulet ici. Ah, waouh! J'ai eu des récompenses de ouf, comme j'ai eu un œuf de dragon, 200 pièces. Un loot chest qui m'a donné un Anvil Backpack, ok. Un bloc de diamant et 32 Pile of God. Ici, Nether Bounty, kill 15 Blaze, ok. Donc, 150. Là, encore une good box, j'ai eu un Sonic Glass. Oh, ok, on va tester ça. Oh, le Molten Chestplate. Damage to Burning Mob, 10%. Et Fire Damage to Player, moins 25%. C'est insane ce que je viens d'avoir. Ensuite, le Basic Automated Mod Farm.
Mob Farm, pardon, 50 et une loot chest qui m'a donné un Tome of Arcana. Et bah ça c'est parfait, on va en avoir besoin pour faire de la magie. Ensuite, la Dragon Mill, ça me donne 200 pièces d'or. Ici, le Command Staff, ça me donne 75 pièces d'or. Parfait, ici, on a l'épée, je l'ai pas craftée, donc là, on a rien. Ok, pour cet arbre-là, on a récupéré les récompenses. Ah non, il m'en manque une. J'ai, pour avoir l'Under Gigi, ce sont des plantes qui poussent dans l'aine, donc j'ai récupéré donc un loot chest qui m'a donné une tronçonneuse, 50 pièces d'or et une steel leaf axe, une hache en arbre, c'est ce que j'ai eu. Ok, je crois que là, on n'a plus rien dans cet arbre de technologie-là. Parfait, on va pouvoir regarder. Oh les gars, c'est... Ah, et puis ça, ça marche à l'électricité aussi. Oh, attends. Est-ce que ça charge si je la mets là? Est-ce que ça va charger? 40 kF sur 40 kF. Ah oui, elle fonctionne. On va essayer de couper du bois avec. On va essayer de couper un arbre. Hop là. Oh, et puis je vole, mais c'est incroyable. Un arbre qui ne me dérange pas. Hop, on va aller là-haut. Voilà, parfait. Et on va... Eh ben lui. Allez, parfait. Oh, ça coupe instantanément le bois. Oh, c'est génial. C'est incroyable. Ok, et ben ça, c'est nickel, du coup. On se met bien. On va pas se le cacher. C'est plutôt cool. Ok, ensuite le Tome of Arcana qui me permet d'apprendre de la magie. Ok, le Molten Chestplate, à quoi ça ressemble? Oh, ça a l'air incroyable. Et franchement, il est stylé. Il est stylé de ouf, ça fait trop plaisir. Ensuite, la Sonic Glasses. What the fuck? What the... Attends, ça me permet de voir des... Ça me permet de voir des trucs. Ça me permet de voir des trucs, je ne sais pas quoi. Mais là, par exemple, je peux voir, il y a des points d'interrogation. Là, je peux voir la vie. Alors, le point d'interrogation, je pense qu'il est sur moi, mais what the hell? What the hell? Mais quel est ce flow complètement négatif? Ok, et eh bah écoutez, pourquoi pas? Là, on a eu un bloc de diamants. Là, on a eu un backpack. Un Anvil backpack. Oh my god! Et du coup, je peux utiliser mon backpack comme je veux, je suppose. Je suppose que je peux... ah bah, genre le poser, en fait, tout simplement. Ok, ça me l'aura équipé. Je ne sais pas. Mais de toute façon, je l'utiliserai jamais ce truc. Ok, bon. Oh, j'avais pas mon jetpack avec moi. On va reprendre le jetpack. Hop là. Je me suis équipé de la mauvaise armure. Ah, et c'est de l'os glow glass qu'on a eu là pour ce bout d'épée. Ça, c'est très intéressant. Alors, les piles de thunes. Faudrait que je réfléchisse à comment les mettre chez moi, tout simplement, pour décorer. Ça pourrait être cool. En tout cas, en attendant, on va les mettre dans le coffre à caca. Du coup, ce bout d'épée en os glow glass, je vais le mettre juste ici. Puisque j'en ai pas besoin. Et le Tome of Arcana, on va le poser ici. Alors, le Molten Demon Metal, je ne sais pas à quoi ça sert. Ah, c'est un combustible, ok. C'est un combustible genre de ouf. Ok, et bah très bien. Bah, on va le mettre dans Tech. En tout cas, j'ai pas fini, puisque on a des trucs un petit peu partout. Exploration. Là, je n'ai pas de reward. Ici, ah, là, j'ai une reward. Light Puzzle Minigame. Ah oui, on l'avait fait avec Simon en live. Bon, on l'avait pas fini, malheureusement. Ok, ensuite, Dimension. J'ai pour... Ah oui, parce que Simon a fait... la Twilight Forest, donc du coup ça m'a débloqué les achievements aussi. Ok, très bien, donc un Cobblestone Clubber, très bien. Et voilà pour ceci. Ensuite, Legendary Artifact. Apparemment j'ai quelque chose, oui, ici, un Noack Armor Stand, 50 pièces d'or, et ben pourquoi pas. Là on a 50 pièces d'or, non pas ici, ici, le Rubber. Le Rubber, 75 pièces d'or et une loot box qui nous a donné bon, du quartz, pas très utile. Ensuite, les lingots fusionnés qu'on avait fait, 75 pièces d'or, une lootbox Frostbinger. Oh, c'est quoi ce truc? J'ai trop hâte de découvrir. Et ici, pour avoir crafté Industrial Electrolyzer, 75 pièces d'or et du coup, une Hydra Arrow. Ok, très bien. Ici, le scoop. Alors ça, je ne l'ai pas fait. D'accord. Ok, ici, on a tout pris. Ensuite, là, Advanced Science. Ah bah oui, pour toute la Power Armor, j'ai des loots de ouf. La Luminous Jelly. Très bien. Alors j'espère que ça va me donner des bouts d'armure. Non, pas des... Rat Upgrade. Eh ben nickel. Un nouvel achievement, les gars. Parfait. Ensuite, ici, un Music Disc. Très bien. Et là, 75 pièces d'or et une nouvelle reward. Magnetic Florb. Ça, j'ai déjà récupéré. Ok, pour cet arbre de technologie. Ensuite, le Space Exploration. Là, j'ai rien... Ah si. Oh, un Experimental Cache. Qu'est-ce que je vais avoir? On va découvrir ça dans un instant. Oh my god, les gars, c'est incroyable. Là, on a des rewards de fou. La Supremium Essence, et oui, comme on en a eu, ça nous a validé l'achievement, il nous en manque plus que deux, là. Ensuite, les boss, et bien oui, j'ai tué l'Under Dragon, donc j'ai des Under Resilience, ok. 2500 pièces d'or, insane, 20 fioles d'XP, ou 20 XP, 20 niveaux d'XP, je pense. Une loot box qui nous a donné un fer, pas incroyable, et ici,
un Black Market Container. Donc ça, c'est incroyable. Là, Kill Undertaker. Encore une Black Market. Un Dead Lich Staff. Incroyable. Incroyable, les gars. Ah, là, il y en a un autre. Kill One Fire Dragon. 10 niveaux d'XP. Une loot box qui m'a donné une Ruby Pickaxe. Très bien. Et 100 pièces d'or. Et bah, c'est trop cool. On a eu des loots de malade, les gars. Alors, les Cursed Earth, je sais pas à quoi ça sert. En tout cas, ça a l'air d'être stylé. Alors, on va pouvoir tester les différents bâtons. Là. On va les tester, quand même. Alors, du coup, le Dead Lich Staff. Oh. Ok, c'est grave stylé. Et là, le Frostbringer. Oh, yeah. Oh, ça a mis de la neige. Ok, sympa. Trop stylé, très bien. Là, on a une rat upgrade, donc ça servira. Alors, maintenant, on va utiliser, du coup, nos deux chests de malade mental qu'on a eu. Franchement, j'espère qu'ils vont nous donner des trucs de ouf. On va se mettre dans le désert pour le faire. Oh, 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 j'ai envie de venir. J'ai nausé pendant 5 secondes. C'est pas ouf. Ok, du coup, les amis, bon, il commence à faire nuit. Je vais aller faire un petit dodo dans ma farm. De toute façon, vu la vitesse à laquelle je cours, ça pose pas de soucis. Hop là, hop, petit dodo. Nickel. Ok, du coup, le jour se lève, c'est parfait. Et on va pouvoir ouvrir ce premier chest qui m'a donné une Nether Star. Eh bien, incroyable. Et ensuite... Oh, une Shockwave Sword. What the fuck. What the hell. What the fuck. Oh, c'est trop stylé. Oh, c'est trop bien. C'est incroyable. Oh, c'est incroyable ce qu'on vient d'avoir. Ok, ensuite, on a le Experimental Chest, du coup, qui va nous donner des trucs de fou furieux. Vitrifié de sand. Du sable vitri... Je suis très déçu. Je suis très déçu de ce coffre. Mais j'ai une épée qui fait des ongles de choc, les gars. Ah. Oh là là. C'est incroyable. C'est trop stylé. Je me demande quelle quantité de dégâts ça fait. Faudrait qu'on trouve des mobs. Bah, tu sais quoi, je vais la garder pour aller dans l'end. Et on va pouvoir l'essayer. Hop là. Je rentre chez moi. Alors du coup, on a eu deux musiques disques. Ce serait intéressant que je me fasse un lecteur de disques pour écouter mes nouveaux CD. Alors par contre, j'aimerais tester du coup les différentes options qu'on a sur la vitesse. Parce que qu'est-ce que ça fait si je mets, par exemple, tout au maximum? Est-ce que... Alors par contre, je consomme de ouf. Je vais consommer de malade mental. Mais en quoi ça va m'aider? Alors ça ne m'aide pas à monter plus vite sur certaines choses. Ça n'augmente pas plus ma vitesse. Ah, peut-être que plus je cours et plus je vais courir vite. J'ai pas l'impression, mais peut-être. Oh là là, regardez-moi cette vitesse incroyable. En tout cas, c'est trop stylé. Oh là là. Je ne pense pas que ça me fait courir plus vite. En tout cas, on est bien. On est très très bien. Hop là, on va baisser du coup l'assise parce qu'en plus, ça me fait consommer à fond. Donc, compensation. Hop là. Voilà, on va mettre au max, comme ça je consomme moins. Et en fait, je cours plus vite comme ça, j'ai l'impression. C'est pareil. C'est pareil. Donc, autant ne pas consommer trop d'électricité. Bon, les amis, je vous avais dit qu'on irait explorer l'end, mais on va garder ça pour le prochain épisode. Tout simplement parce que cet épisode dure depuis bien assez longtemps et on aura fait des choses vraiment stylées. Donc, si cet épisode vous a plu, eh bien, n'hésitez pas, comme d'habitude, à faire péter cette barre de like, à commenter et à partager la vidéo. Et bien entendu, me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok et ma chaîne secondaire. Tout s'affiche actuellement à l'écran et dans la description. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Sur ce, eh bien, allez, salut à tous. C'était Oxy. Salut tout le monde.